Bonjour, c'est Thomas de progresser-en-informatique.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment créer un extrait vidéo avec VLC Media Player. À la fin de cette vidéo, vous saurez donc comment créer un extrait vidéo à partir d'une vidéo que vous avez déjà sur votre ordinateur. La méthode que je vais tout de suite vous montrer est intéressante car elle ne nécessite pas de réencoder la vidéo. Vous n'avez donc aucune perte de qualité par rapport à votre vidéo originale. Pour commencer, vous allez ouvrir le fichier vidéo de base avec VLC Media Player. Bouton droit sur le fichier, ouvrir avec, et vous sélectionnez VLC Media Player si ce n'est pas votre lecteur multimédia par défaut. Une fois arrivé ici, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, rechercher le début de l'extrait que vous souhaitez faire. Lorsque vous avez trouvé le début, vous mettez la vidéo sur pause. Ensuite, vous allez dans lecture et vous cliquez sur le bouton enregistrer. À ce stade, quand vous allez mettre play, le logiciel va commencer à enregistrer l'extrait vidéo. Là, vous n'avez qu'à attendre jusqu'à la fin de l'extrait que vous voulez faire. Voilà, admettons que c'est la fin de l'extrait que je souhaite faire. Vous mettez sur pause, vous retournez sous lecture et vous recliquez à nouveau sur le bouton enregistrer. Et vous retrouvez l'extrait vidéo dans vos vidéos personnelles. L'extrait est bien ici, il commence bien ici et se termine bien à la séparation de la fusée. Voilà ce que je voulais vous montrer avec VLC Media Player, qui, je vous rappelle, est un logiciel open source complètement gratuit, capable d'ouvrir n'importe quel format de fichier vidéo. Si cette astuce vous a plu, merci de liker cette vidéo afin que d'autres personnes puissent la découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles formations.